Ouais, c'est simple, mais il faut en faire, faut en faire. Là, je me rappelais plus, j'en ai fait qu'un, hein, je vous l'ai montré au début, j'en ai fait qu'un. C'est pas évident, mais ça fonctionne bien. Donc ce que je voulais voir, c'est le dernier, s'il est incliné vers le bas ou s'il est incliné vers le haut. Non, je crois que c'est vers le bas qu'il est incliné. On va préparer les armes. Là, on va dégager une wyvern. Hein. C'est pour vous montrer. Pour l'alpha, il va falloir que j'en fasse une en métal. Ah ouais, mais mes affaires, ils sont dans la wyvern. Voilà. Donc, soit on l'endort. On va l'endormir plutôt. Attends. Ouais, on va l'endormir si on arrive à en trouver une. Non, le fusil. Voilà. Et les fléchettes. Voilà. Comme ça, on ira chercher le primal le cristal. Ou si on la tue. Alors attends. On va faire une pour. Ouais, on va faire un tuto pour le primal cristal. Et une pour le talon, hein, c'est ça? L'alpha cristal, non, c'est trop dur. Il faut que j'en trouve une. Cristal talon, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Pas de problème. Des sacs de couchage, j'ai une maison juste à côté, Raptor. Alors attends, Raptor, hop. Raptor 10. Laura, hop, 10. Mister Go, donc bonjour à tout le monde. Hein. News. 10. Ok. Raptor. Ok. Gagabir. Salut Gagabir. Je sais pas si tu es encore là. Gagabir. Hop. Baobab. C'est marqué. Ok. Bah c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Allez, on va enchaîner un autre tuto. Donc là, on va l'endormir. Donc on va essayer d'avoir du primal cristal. Bon, c'est bon, hein, j'espère. Moi, je pense pas qu'il soit incliné. Hein. Enfin, je recommence, dis donc. Je crois que c'est vers le haut qu'il doit être. Oh. On va aller voir. Avant de faire le tuto, je vais aller voir le piège que j'ai déjà fait. Attends, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais aller voir parce que ça me perturbe un peu. Je vais aller voir. Comme il a fonctionné hier, donc je sais que celui-là il est correct. On va aller voir ça. T'en as jamais fait, Mister Groot? Ah bah c'est vachement intéressant, tu vois. Je vais vous le montrer. Hein. Je vais aller voir celui-là que j'ai fait. Faut être patient. Bon, je pense que je referai le tuto. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. C'est tellement comme tuto à faire là pour Crystallines. Je vais faire le tuto aussi pour vous montrer où est l'artefact gardien des portes. Bon, ça c'est facile, j'ai trouvé moi-même. Donc ça va durer 1 minute avec le GPS. Ça va être cool. Donc s'il est incliné vers le bas, bah, il va falloir que je refasse le tuto. Enfin s'il est incliné vers le haut, je referai le tuto. Il me semble qu'il est incliné vers le haut, mais je vois pas pourquoi il serait incliné vers le haut. Pour que la tête ne puisse pas. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, j'ai dû me tromper là. Non, hier ça a été. Alors si tu les fais sans piège, avec ça. Mets une alarme dans 1 heure. Alors hier j'ai galéré, j'ai essayé de les endormir. Une niveau 15, ça va avec le fusil. Une niveau au-dessus de 15, laisse tomber parce qu'ils reprennent la torpeur. Parce que dès que tu les touches, ils t'attaquent. Et il faut que tu attendes qu'ils t'attaquent plus, qu'ils se posent. Tu recharges le fusil ou l'arbalète et bah, la torpeur elle est remontée. Donc c'est extrêmement dur à endormir quand ils sont pas dans un piège. Très très dur. Mais quand ils sont dans un piège, tranquille. Donc mon truc il doit être par là, non? Il est là, non? Il est où mon piège? Il doit être là, non? Il est pas là mon piège? Oh, putain. Je l'ai dépassé. Il doit être par là, là.
Bah, il y a un drop quand même, j'ai pas mis là. Je pense pas. Je ne pense pas. Non, il est pas là, ok, ça marche. On doit être un petit peu plus loin alors. Il est où mon piège? Il est un peu plus loin. Il est là. Donc il est incliné vers le haut. C'est à refaire. Faut que je refasse. J'ai dit des bêtises. Voyez le haut? Il est incliné vers le haut. Voilà. Donc c'est bien en extérieur. Et on revient comme ça. Donc c'est bien. Voilà. Moi j'ai eu du mal au début. Donc je vais refaire un. Je vais refaire un piège. Je vais pouvoir faire les trucs d'abord. Ouais. Ah, il a fonctionné hier, donc voilà, ça c'est le modèle parfait. Ok, je me suis trompé. Tu devrais faire des lives sur les jeux de dinosaures. Si tu es dans la peau d'un dinosaure, tu peux... Ouais, on en avait déjà parlé de ce jeu-là, Mister Root, ouais. Ouais. Mais voilà, entre Ark, Island, Crystalline, Valguero, plus Grounded, je vais pas avoir le temps, Mister Root. Je vais pas avoir le temps. Mais merci de ton info. On avait déjà parlé de ce jeu-là. Bon, bah on va refaire un tuto. De toute façon, on est ensemble. Hein. On joue ensemble. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Là où va, non? Comme ça va mieux ancrer dedans. Pour faire. Donc, avant, je vais faire. Tiens, un wyvern là, vous voyez. Là, on peut se poser à côté, tranquille ou tranquille. Hein. On peut faire essayer le piège, hein, remarque. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On va l'endormir donc pour du primal. Okay. Allez, on fait le tuto. On va changer un petit peu. C'est parti.